Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez mon nouvel avatar. Merci à Zafkiel qui a énormément bossé dessus. Respect, frérot. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Psyclo. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo? Oula oula, et doucement, on commence déjà là? Normalement, les questions arrivent au fur et à mesure de la vidéo. Puis, en vrai, entre nous, ça, j'ai déjà répondu dans mon ancienne FAQ. Bref. Et donc, toi, Psyclo, ça fait combien de temps que tu fais de la VR? Approximativement, ça fait à peu près un an que je fais des vidéos VR sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, l'une des premières vidéos, vous l'avez sûrement découvert sur TikTok. Bougez pas, ne veuillez vous asseoir! On veut bien le bleu. Le bleu? Ok, le bleu. Oui, le bleu. Le bleu. Oh, par contre, tu te fous pas de ma gueule, hein? Donc, on ne touche pas le coiffeur. Si tu bouges, attention, hein? Beaucoup d'entre vous m'ont découvert avec les vidéos Minecraft, mais. Ah oui, ça fait beaucoup quand même, hein. Alors c'est des vidéos que j'ai adoré réaliser, mais ça me plaisait pas de faire un truc que d'autres font déjà extrêmement bien. Pourquoi t'as commencé la VR? Comme Minecraft c'était pas vraiment mon contenu, je suis parti dans un truc que j'adore et dont la France manque cruellement. Du contenu en réalité virtuelle. C'est ultra fun, à vivre, à produire et à partager. Est-ce que tu continues les vidéos Minecraft ou tu comptes complètement arrêter? Alors j'arrête pas spécialement les vidéos Minecraft, mais il y en aura sûrement d'autres avec le French Corner. Retenez bien le French Corner, je vous en parle tout de suite. Tu vas faire un vidéo avec tes abonnés? Et pourquoi est-ce que tu ne fais plus trop de vidéos? Ah ça tombe très très bien que tu dises ça. En début d'année j'ai pris le temps de rencontrer et d'apprendre à connaître certains créateurs et créatrices en VR. Avec le temps, on a formé une sorte de famille qui s'appelle le French Corner. D'ailleurs, pour toutes les infos, c'est dans la description, comme d'habitude. Si vous traînez un peu sur mes réseaux sociaux ou même sur VRChat, vous avez sûrement déjà entendu parler de nous. Ensemble, on a organisé un gigantesque concert qui s'appelle Intempestible. Trois créateurs de contenu, 4 DJ pro, un chef de sécurité, un designer, un réalisateur, 2 développeurs, un régisseur, un artiste 3D, 6 danseurs. On a organisé ça en VR, gratuitement, et diffusé tout ça sur Twitch. Sur Twitch, on a eu plus de 1000 viewers. C'était diffusé en parallèle sur la map de French VR, donc 300 viewers de plus qui regardaient ça en direct de la map. À l'endroit où on a fait l'event, la map était complètement full. C'était une dinguerie et ça a duré 7 heures. Tout ça était accessible gratuitement. Autant vous dire que c'était monumental, presque historique, une vraie bombe. Ouais, je sais. On fait pas les choses à moitié ici. Depuis, il y a eu d'autres événements comme Pirates Life qui était organisé par Captain Orion et son équipage. D'ailleurs, vous les avez sûrement déjà tous vus dans ma vidéo, les pirates du métaverse. Le dernier événement en date qu'on a organisé, c'était un cache-cache géant dans les backrooms. On est ici pour un énorme cache-cache. Let's go! Et ça j'en dis pas plus, ce sera prochainement sur ma chaîne. Bon, vous l'avez compris, si vous voulez participer à un de nos events, vous avez le Discord en description. D'ailleurs, faut que je vous dise un truc, c'est que l'endroit où je me trouve a été fait par le French Corner. Un énorme merci à Sheikah qui a lancé le projet et à Furfury qui a repris la main et fait un taf de folie. Ce gars est un monstre. Regardez, je vous montre. Ça s'appelle le French Corp et c'est un endroit fait par les créateurs, pour les créateurs. Vous voulez que je fasse un petit room tour? Vous avez pas le choix. Donc juste derrière moi, on a le studio photo. On peut activer toutes les lights, etc. Vous avez tous les paramètres là. En tout cas, je vais pas vous parler spécialement de l'aspect technique. Je vous laisse venir sur cette map et vous amuser à tout découvrir par vous-même. Bref, un endroit où vous pouvez mettre en avant votre meilleur profil. Ici, on est dans l'accueil. Tout autour de moi, vous avez des petites photos sympas, des événements qu'on a organisés, du groupe, etc. Peut-être un jour, il y aura une photo de vous là-dedans. Ce serait cool. Là, c'est le studio 2, c'est le studio où on était juste avant. Juste là, vous avez le studio 1, et ça, c'est un studio un peu particulier. Moi, clairement, ce studio, il me fait péter le crâne. On arrive dans une petite salle, mais on peut passer à travers le mur. Hop! Et on se retrouve dans une énorme salle fond vert avec des petits trackers qui peuvent être désactivés, mais encore une fois, je vous parle pas de l'aspect technique, je vous invite à venir tester. Ce truc est vraiment gigantesque. Eh oh! Vous arrivez à me voir à la caméra ou quoi là? Bon, ça ok, vous avez vu le studio fond vert. El Famoso Studio 1. Oh d'ailleurs, j'y pense, j'ai fait une séance photo avec Corn Pop dans le studio 2, vous savez, la célèbre photographe du metaverse. Tout ça est disponible sur mon Instagram, encore une fois dans la description, je vous invite à aller spam les likes là-dessus. Et puis abonnez-vous! L'espace de création, il est encore en construction, mais le dernier ajout, c'est un studio TV. Vous voulez le voir? Encore une fois, vous avez pas le choix. Ici, Furfury nous a développer un réel studio TV. Incroyable. Il va pouvoir y avoir des émissions en live, etc. Et vous-même, vous allez pouvoir venir l'utiliser. Encore une fois, je vous passe un peu l'aspect technique, mais je vous invite à venir visiter tout ça. Regardez-moi ces plans de coupe, ils sont magnifiques. Bon,
En gros, voilà, vous avez vraiment un putain de studio télé, quoi. Désolé pour le mot, mais c'est vraiment le mot. Il y a pas mal de choses qui vont y apparaître au fur et à mesure du temps, comme une salle de cinéma, une salle de réunion, ou encore par là, une salle pour les DJ. Histoire de faire des petits sets DJ mix tranquille, pépou, pipou. Ouais, bref. Comme je vous l'ai dit, c'est une map faite par les créateurs pour les créateurs. Donc si vous voulez créer du contenu, n'hésitez pas à venir. Le lien de cette map est en description aussi. Pensez à la mettre en favori aussi, ce serait vraiment cool. Bon, sur le French Corp, j'en ai déjà pas mal parlé. On retourne dans le studio photo et on passe à la question suivante. Qu'as-tu fait pendant la pause? Alors, j'ai fait pas mal de trucs, mais j'ai surtout profité du soleil et je vous ai préparé une rentrée aux petits oignons. Mais quoi? C'est pas très. On te voit, Trouduc. C'est un. Quel enfer cette image, gros. Ah, oh, mais gros. C'est bon, là, c'est couronne, gros. Regarde ce que t'as fait. Putain, mon cul. Putain, trop de saucisson avec ton petit cul, là. Viens, on fait tous des bruits bizarres. Et qu'est-ce que ça, ça, papa, papa, papa. Donne-moi ça, frérot, donne-moi ça! Let's go! Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Est-ce que tu referas les vidéos avec Ninjax, Soul Raven et Nook ou est-ce que c'est fini? En vrai, j'espère grandement que c'est pas fini. C'est très bons amis et c'est les premiers bienvenus dans mon univers. Ou dans mon métavers. Ah, ce mot, je m'y fais toujours pas! Est-ce que sur ta chaîne, il y aura des vidéos sur Boneworks? Si oui, quand? Hein, la prochaine vidéo Boneworks? Dimanche prochain à 11h, ça vous dit? Mettez un réveil, un rappel, parce que ça va être une dinguerie. En plus, je suis pas tout seul. C'est la rentrée, on est reparti pour une vidéo par semaine tous les dimanches à 11h. Sur ce, je vous quitte avec une danse incroyable et je vous invite à mettre des fruits en commentaire, n'importe lesquels, celui que vous préférez. Je vous aime. Ciao! Ah, au fait, au moment où cette vidéo sort, je suis en direct sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre si j'ai oublié une de vos questions. A tout de suite sur Twitch. Stress and doubt, you're not today. Feels like it.